Ok, continuez. Vous voyez, je suis d'un petit niveau. Hein. Pour mon premier run, le premier run sur Dark Souls 2, 139 heures de jeu, level 250, c'est un petit premier run, tout court. Alors, est-ce qu'on va avoir de la musique? Je pense que je vais, vu que on va farmer un peu la même chose, ce que je vais faire ça. Option de jeu. Ouais, il n'y a pas de musique. On va mettre une bande son derrière. On va se mettre la bande son de. Allez, Demon's Soul. Demon's Soul OST. Ok, un petit instant. Ok, on devrait être bon. J'ai actuellement 19 ans et je joue depuis que j'ai 10 ans à WoW. Ah oui, quand même. Rien, auras-tu la possibilité de stream des jeux tablettes mobiles un jour? Cela pourrait être intéressant. Bah, ça dépend du jeu, mais oui, on trouvera une bonne solution. Salut Crane, de retour sur Dark Souls, que vas-tu faire? Eh bah, je vais faire ce qu'il me reste à faire, c'est-à-dire mourir en boucle sur le boss du DLC 3. Crane, level 250, c'est beaucoup de contraintes. Salut Loïs Gab, salut Frozenbo. J'arrive pile poil au bon moment. Le problème, c'est que la plupart des MMO récents ont du mal à s'éloigner du format Theme Park ou aux progressions verticales sans réellement innover. C'est ce que nous dit Alexis en tout cas. Même si Crane l'a repris, il y a un autre problème en effet, mais enfin, si quelqu'un peut l'aider dans le chat, ça peut être utile parfois. De quoi, de quoi? C'est vrai que j'ai jamais mis l'OST de Bloodborne, ça pourrait être une idée. Je vais changer le tag du jeu, on va passer en Dark. Ok, ça c'est fait. Je vais faire un petit tweet rapide. Non, c'est pas le bon lien. Allez hop, c'est parti pour Dark Souls 2 sur. Hop, voilà, très bien. Et on va y aller. Alors attendez, que je me souvienne des. Ah oui, il y a eu du drop. Oh, il y a eu du drop peut-être pour charger le. On va voir si ça drop encore. Ah oui, ça continue de drop. Pourquoi? Ça drop, ça drop. Là, je suis en offline, donc ça peut pas être ça. On va. Hop, on va faire ça. Ok, j'ai mass drop, je sais pas pourquoi. J'ai mass drop, pourquoi? Est-ce que c'est le temps de. Mais non, mais même, j'ai la fibre, qu'est-ce qu'ils s'en foutent de charger un générique? Il n'y a rien qui télécharge. Il n'y a plus de drop. Ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Il n'y a plus de drop. Ok, c'est bon. Non, mais je peux pas changer de serveur de stream sans couper le stream. Non, c'est bon, c'est réglé. C'est réglé, c'est réglé. Ok, il n'y a plus de drop. Non, oui, il n'y a plus de drop. J'ai plus un seul drop là. Ça fait plus d'une minute que j'ai pas de drop. Alors, il va falloir se rappeler comment on joue, hein. Ça va être compliqué. Oh non! Oh non! C'était un bon début, c'était un très très bon début. Franchement, il est temps de penser à un nouveau PC. Quel est le rapport? Quel est le rapport avec du drop? Donc oui, j'ai besoin d'un nouveau PC pour faire des enregistrements, pour faire des trucs comme ça. Mais quel est le rapport avec la choucroute, quoi? Non, non, je farme plus les âmes, Maxuxu. Hein. J'essaye de faire ce boss.
Il y a une histoire à ce jeu, oui, une histoire très intéressante, que je ne saurais pas te citer parce que je ferais des bêtises, mais que j'ai lu avec vive attention. Le jeu te souhaite bonsoir, c'est ça. Oh, genre, quoi. Genre. Oh non, je me suis pris une double attaque là. Salut Redwood Gaming. Mais non, je joue pas sur un PC portable. Créer une boss dure pour se faire le boss. Oui, non mais. Là, j'ai pas joué depuis plus d'une semaine, hein, je suis rouillé. Hein. Il faut me laisser reprendre le coup. Tu penses quoi des éditeurs qui font des dates de sortie différentes géolocalisées sur des licences AAA comme Dark Souls 3? Je pense que c'est la merde pour moi pour streamer. Après, j'ai pas spécialement d'avis là-dessus, je me suis jamais trop penché sur les implications. Mais pour streamer, je vais avoir beaucoup moins de monde le jour où je stream Dark Souls 3. Ah, c'est bien, avec les problèmes de Twitch, on a perdu 200 personnes, c'est parfait. Le truc qui encourage beaucoup quand tu streams. Et je vais avoir beaucoup, beaucoup moins de monde que si Dark Souls 3 était sorti. Et était sorti en même temps que tout le monde. Ok, ça déjà c'était mieux. Allez, ma 71e âme de Lois, on est bien. Pas de Billy par là. Ok. Ça se passe bien pour le moment. Ah mince, je l'avais pas vu. Tout va bien. Pas de panique. Concentration. C'est probablement les deux derniers, donc va falloir faire attention. Je dis va falloir faire attention. Non, mais non! J'ai roulé, j'ai appuyé sur le bouton, il en restait que deux là. Du coup, les chevaliers récupèrent quelque chose en te farmant. Non, mais c'est tellement long de faire un travail sur ce boss qui me one shot. Le boss il me one shot, les fights ils durent 10 secondes. Salut, Luit de l'ombre. C'est la tristesse. On avait fini là. Le boss, il allait arriver, tout se passait bien, les fights se passaient bien. Il va falloir faire attendre quoi? De retuer tous les chevaliers avant chaque try de boss? Oui. Oui. C'est pour ça que c'est de la merde ce fight, il faut le dire. Non, le problème c'est mes contraintes. Hein.
Oh. Ce qui m'énerve, c'est que je peux survivre à tout avant le boss, parce qu'une attaque ne me tue pas. Qu'importe l'attaque, une attaque ne me tue pas. Sauf peut-être l'attaque magique corps à corps, mais celle-là, bah, à moins d'être corps à corps des mages, tu te la prends. Et le truc, c'est que le seul truc qui peut me tuer, c'est quand je prends deux coups en même temps. Et là, je viens de prendre deux coups en même temps. Voilà. La probabilité pour que ça arrive, elle est faible, mais elle est là. Il n'y aurait pas un mode d'installer pour avoir un camp plus près. Mais je suis tout proche là. Il y a zéro mob entre moi et l'instance du boss. Ça fait partie du boss, les mobs. Pourquoi tu vas pas farm une idole? Mais j'en ai plein des idoles. C'est un run à contrainte sans. J'ai pas le droit d'utiliser de. J'ai pas le droit d'utiliser l'effigie. Ah, j'ai oublié de récupérer mes âmes sur un run précédent. Super. On n'a pas eu mal, on n'a pas eu mal du tout. Il est mort lui? Ouais, lui il est mort. Ok. Très bien, une entrée qui va être bloquée. Est-ce que tu t'es donné comme contrainte? Alors, pas le droit. Attends, c'est quoi mes contraintes? Pas le droit d'utiliser d'effigie, pas le droit d'utiliser d'anneau de lien, pas le droit de mettre 2 points en vitalité, pas le droit de porter d'armure, pas le droit d'utiliser de magie, pas le droit d'utiliser de foi. Pas le droit de. Je dois me battre en power stance. Voilà. Vas-y, vas-y, vas-y. Très bien, alors le mage là, il va me les briser. Il va me les briser. Je suis très mal. Ok, faut courir. Tout va bien. C'est gentil, Lango. Allons par là. Je suis mort. Ah là 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 là! Ah! Il marchait normalement et pile au moment où j'appuie sur le bouton de popo, il se met à courir. S'il s'était mis à courir une seconde après, j'avais le temps de prendre ma popo. Tu sais qu'il y a un anneau offert si tu fais le jeu sans mourir. Et un, si tu fais le jeu sans te reposer au feu de camp, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Jamais. Mais tu le sais quand tu meurs dans ce jeu, tu le sais. Non, je favorise pas les mages. Les mages, ils sont galères à taper. Ils sont extrêmement galères à taper, les mages. Oui, Dark Souls 2 est clairement plus facile que Dark Souls 1. Pas dans les conditions dans lesquelles je joue, mais.
Mais non. J'ai envie de tousser en plus. Ok, on va retourner là-bas. Et on va voir ce qui nous arrive dessus. Là, il y a le gars au marteau. Malheureusement, il y a un mage aussi. Ok, ça c'est fait. Ah mince! Je l'ai pas eu. J'ai mal tourné. J'ai mal tourné. Ouh là là. Ok. Nous reste quoi? Nous reste... Donc un mage là qui va caster. Je vais attendre. Allez, viens, Billy. Ouh, ça veut dire qu'il y a un autre mage derrière. J'ai du bol, là. J'aurais dû mourir. Enfin, j'aurais dû me prendre un dégât. Donc, il reste deux mages. Ouais, il reste deux mages. Ok. Alors, il reste... Bah, que deux mages. Que deux mages. Et après, on est bon. Qu'est-ce que j'ai comme... Oh mais ça fait tellement pas mal. C'est bon, ça passe. Tiens. Ok, le boss. Le boss qui me one shot, c'est parti. Donc pas oublier quand il saute, faut pas esquiver tout de suite. Et son dash que j'arrive absolument pas à esquiver. Yup, et ça va, je vous préviens, ça va aller très très vite. Hein. Non, c'est pas fini, le fight difficile commence maintenant. C'était facile avant. Y a rien. J'étais un petit peu coincé. J'étais un petit peu coincé. Kain t'a trouvé une parade à son cou qui se téléporte, qui te téléporte sur sa lance. Il faut, bah là il l'a fait, il faut que je sois dans son dos. Faut absolument que je sois dans son dos.
Oui, la mise deux fois, hein, j'ai eu du bol. Hein. On peut mettre ça sur le coup de. Bon, il y a une fois, ceci dit, où je m'étais bien positionné. Mais la deuxième fois. Toujours pareil, la cam, le plus gros boss du jeu. Et maintenant, tu veux refaire un try sur ce boss, hein? Eh bah, tu dois te retaper tous les mobs avant. Bah voilà, parce que c'est plus marrant. Pourquoi le boss il est pas gentil? C'est vrai ça, pourquoi déjà? Ah, c'est bien. Je me suis dit, je vais avoir le temps. Mon coup devrait être plus rapide que son animation. Mais non. C'était une erreur. C'était une erreur. Et nous avons Adrenesis. Adrenesis qui se rabonne pour la quatrième fois. 4 mois de soutien. Merci Adrenesis de confirmer ton appartenance à cette communauté avec des yeux pleins de. Pleins de. Plein de poissons! Des yeux pleins de poissons! Bah oui, parce que nous, on aime nager dans les grands océans. Voilà, parce qu'on aime la liberté. Voilà, explication foireuse trouvée, c'est bon, et bim! Et bim, le resub d'Adrenesis! Merci, les bisous! Voilà, beaucoup de talent. Beaucoup de talent. Bah, les mobs avant, ils disparaissent parce que il y a des chevaliers qui m'accompagnent qui gèlent l'entrée. En NG, NG tout court. Hein. C'est mon premier run, on va se calmer. C'est de loin le boss le plus difficile pour moi avec celui de le très loin. C'est le seul qui m'a... Quand on voit une pub en arrivant sur la chaîne, ça te rapporte de l'argent, Crane? Oui, Akira Raiko, parce que je suis partenaire avec Twitch. C'est pas moi qui mets cette pub, c'est une pub auto, c'est Twitch, donc je peux pas la désactiver. Mais oui, ça me rapporte de l'argent. Ça c'est bien quand ça se passe comme ça. Non, l'autre il va caster. Allez, viens, Billy. Charge, charge, charge. Voilà. Putain, relou quoi. Ah, je me suis fait toucher. Je pensais pas me faire toucher là. Du coup, je suis dans la galère. On va là-bas. On est poursuivi. Donc j'ai pris cette popo parce que j'ai vu qu'il avait commencé son animation derrière. Donc j'ai pris beaucoup de retard là. C'est pas bon du tout. Oh là, je me suis enchaîné là. J'ai essayé, hein, j'ai appuyé sur le bouton pour rouler en me disant ça va passer, mais je suis enchaîné. Je ne sais pas comment tu fais pour avoir autant de patience. Ah là là. Oui, parce que si suffisait de les tuer 10 fois chaque mob. Bah voilà, ça ferait longtemps qu'on pourrait faire des trails sur le boss, qui serait mort et tout ça. Non, ils reviennent tout le temps. Qu'une idée, Lufilo. Bah 12 fioles à plus 5, ça a absolument aucun intérêt pour moi, No Patriot, mais oui, j'en ai probablement raté. Petite pensée pour le calice d'âme. Pourquoi, qu'est-ce qu'il a le calice d'âme? Je vais pas respect. Ok, donc le seul qui s'est avancé, c'est lui. Aïe! Je suis mal, ils sont partout. Ils sont partout. Non, mais non, il y en avait partout, là. Il n'y a pas un mode pour éviter ce combat d'avant-boss? Bah non. Et si j'installe un mode pour éviter ce combat, autant que je respecte, que je mette des points dans la vita ou je sais pas quoi. Ça revient au même. C'est le boss final du troisième DLC.
on pourra presque dire que c'est le boss final final parce qu'il est sorti après la fin du jeu. C'est le dernier boss qui est sorti, logiquement. Cinquante nuances de Crane, exactement. Je suis un grand fan des Souls et ce boss est vraiment un des rares qui me scelle à chaque run, je connais ta douleur. Bah, le truc, c'est pas ça, c'est le problème, c'est ce build. Avec un build différent, je dis pas, mais avec ce build, j'y arrive pas, quoi. C'est le seul où je me dis pas je progresse, je me dis j'y arrive pas. Oh non, vas-y, quoi. Faut que je retourne là-bas. Il va le tuer lui-même. Ok, concentration. Un autre qui arrive là-bas. Mince, il est pas mort lui. Petite âme de Lois. Ok. Donc apparemment il en reste qu'un, mais il va quand même falloir attendre que Billy gèle ou fasse le signe pour aller geler là-bas, donc on va pas le taper. Ça y est, c'est bon. Ok, nouveau travail sur le boss. Je sais pas combien il a d'HP. Si, si, mes ultras. Ah non, si, mes ultras espadons, ils sont en plus 5. Allez. Donc là, le problème, c'est sa première charge. Sa première charge, elle est compliquée à esquiver. Faut qu'il aille sur le mob. Faut qu'il aille sur le mob. Ok, c'est bon. C'est embêtant l'endroit où il est pris. One shot. Deux fois qu'il me fait le coup, hein. Deux fois qu'il se transforme en étant collé au mur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'évite sa première attaque en étant là, mais... One shot. C'est dommage, c'était un bon try.
c'était un bon try. Enfin, c'était un bon try dans le sens où j'avais réussi à le mettre low life avant, plus bas que d'habitude quand il sort son arme. Mais deux fois de suite qu'il m'invoque son arme en étant collé au mur, alors que le but c'est que j'aille dans son dos à ce moment-là. Ah, ça va bien finir par passer. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Malheureusement. Du coup, on va essayer de se faire celui-là là-bas. Il me faut de l'endu et un mob qui me charge. Oh mince, bah non. Ok, un de moins, ça c'est bien. Donc là, il va falloir se faire celui-là, ça on est bon. Enfin, si on avait pu se faire le mage, mais c'est trop tard. C'est trop tard, les autres vont charger. Putain, c'est les deux mages qui chargent. C'est chiant. Mince, j'ai cru que j'étais mort. Je suis pas mort, je suis pas mort, je suis pas mort. Pas de panique, je suis pas mort. Vite, 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 vite. On est bon. Ça va être chiant. Et voilà la double attaque. C'est bon, c'est gratuit. C'est pareil qu'un one shot. C'est parfait. Yup, The Aventure. Salut Zirlicht. Salut Shinobi. Et oubliez pas qu'une autre difficulté du build, c'est que je suis lent. Mes attaques sont très lentes. Et ça, mine de rien, c'est l'un des trucs qui me tue le plus. Là, j'aurais une attaque rapide, j'aurais direct pu esquiver derrière. Ren, je suis le seul à trouver qu'un chevalier du chaos soit troublé qu'un troublant vêtu. Mais le chaos, c'est pas mauvais. Le chaos, c'est le chaos. On peut être chaotique, bon. Deux, on est bien au niveau de timing. Maintenant, faut qu'il y en ait un qui me charge. Un seul de vie. Malheureusement, je peux pas y aller à cause de ça. T'es super chiant. T'es hyper chiant, toi. Toi, t'es. Je vois plus rien. Ah, ils sont deux corps à corps. Il y a un mage derrière. Ils arrêtent pas d'interrompre les attaques. Bon, je vais me casser de là parce que j'ai pas de visibilité. Yop, Kenshin! Ah, ok, voilà, ah, c'était sûr. Le bout de l'épée qui touche pas, tu sais pas pourquoi. Heureusement que les mobs se foutent entre eux sur la gueule, je sais pas, hein, des fois. Là, je pouvais clairement pas taper parce que j'arrivais pas à savoir s'ils allaient m'attaquer ou pas parce qu'ils se faisaient interrompre par les mobs derrière. Le problème, c'est les mages. Hein.
C'est les mages. Si j'arrive pas à savoir quand est-ce que les mages vont attaquer, ils me... C'est le bordel. Et les mages, ils viennent jamais vers moi. Donc si je vais vers un mage, je peux me faire charger derrière. C'est pour ça que je les tue pas, les mages. C'est qu'ils sont extrêmement compliqués à dépack. Les autres, ils te chargent. Donc ils viennent vers toi. Donc t'as le temps de les taper. Mais avec des armes lentes, aller tuer les mages en priorité, c'est compliqué. Oui, mais c'est important ce qui s'est passé aujourd'hui au niveau des... Après que vous soyez gêné une journée parce qu'il y a eu des manifestations, c'est pas grave. Voilà, allez. Là, je me dis qu'il y a le chevalier blanc devant, ça va le retarder 2 secondes, ça l'a pas retardé du tout. Je sais pas quoi faire, moi. Désespéré. C'est le désespoir complet. J'ai pas d'idée comment améliorer le tout. Yep, j'en m'envoie. Il y a eu une manifestation pour tout ce qui est les conditions de travail, pour la loi... contre la loi travail. Je suis d'accord, c'est important, Crane, mais étant étudiant à Rennes 2, le blocus, c'est pas terrible à 2 semaines des partiels. Ouais, mais là, pareil, je suis pas d'accord. Les blocus, ils sont là pour une raison. Et si justement on fait pas des blocus de ce type, comment tu veux... Pareil, je me suis pris une double attaque. Pour rien y faire, j'avais plus d'endu. Salut Mélusine. Le truc avec les pyromanciens, c'est l'attente qu'ils soient de dos pour les enchaîner. Oui, non mais... Je crois que tu comprends pas encore le problème que j'ai au niveau de l'endurance, au niveau de la vitesse d'attaque. Et si je cours sur un pyromancien, ça veut dire que d'autres vont me courir dessus derrière et j'ai pas le temps de les enchaîner. Je ne peux pas enchaîner les pyromanciens s'il y a d'autres mobs autour. Bah j'ai pas trouvé un moyen de two-shot les mobs. J'ai cherché, j'ai même essayé avec des marteaux en me disant, bah voilà, avec des marteaux ça peut peut-être passer. Et même avec mes gros marteaux plus 10, je continue de les three-shot. C'est bien. Oh, il est pas mort. Oh, il est mort. Bon, là, par contre, faut se barrer. Là, il est en train de courir. Oh, j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps, j'y crois. Ouais, alors là, je suis désolé, mais... Allez, on y croit, on y croit, on y croit. Pas assez loin. Non, je pense pas refaire du Tree of Savior. J'ai pas trop accroché en live. Qui me court après, on peut y aller. Alors, il n'y a qu'une seule entrée qui a été... Hein. Putain, il est presque mort, quoi, l'autre. Je fais attention parce que... Voilà, il y en a un autre qui a pop, c'est ce dont j'avais peur. Oui, je fais du hit and run, c'est le but, mais j'arrive pas à me rapprocher des mages. Comme tu le vois, j'arrive pas à me rapprocher des mages. Alors,
Oh là là, on est mal. Oh là là, il va y avoir un ad. Oh là 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 là. Je sens que je vais le faire à la technique sale et je vais aller sur le portail. Oh, va y avoir un nat, quoi. Tellement me faire enchaîner. Allez, pas un gars à l'épée, s'il te plaît. Ni un mage, les mages, c'est relou. Une chance sur deux que ce soit un gars pas trop relou. Et bah, c'est un mage. Ok, c'est bon, on a repris le dessus. Le fight est pareil que si. Faut absolument qu'il tape l'autre. Oh. Il a des timings complètement différents, hein. Même pour ses attaques sautées, c'est horrible. C'est complètement horrible. Complètement horrible. C'est pas des attaques difficiles à éviter, c'est juste qu'il a des attaques avec des timings différents. Donc tu te dis, ah bah tiens, celle-là, elle est un petit peu plus longue à esquiver. Bah non, en fait, elle est rapide. Dommage, j'avais bien réinversé la situation, j'avais réussi à tuer l'AD. J'ai déjà eu du bol qui me one-shot pas la fois d'avant, mais après, je ne sais pas quand prendre une potion sur ce boss s'il y a pas de, si un ad a pas l'aggro. Ça, je ne sais absolument pas. C'est passionnant d'un bout à l'autre, même si ça dure 2h30. Au moins, ça, c'est bien. Ah, je sais que c'est. Il y a deux mages. Prier. Tu utilises juste les espadons, tu n'as pas équipé rien d'autre qui t'alourdit. Ouais, j'ai d'autres trucs que j'ai d'équiper, mais je veux pas les déséquiper. Parce que je pars du principe que c'est mon équipement et. Voilà. Super, 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 c'était génial. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai réussi aucune des trois esquives. Aucune idée. C'est du côté de Susan. Je devais te décaler dans mon cerveau une demi-seconde à chaque fois. Je ne sais pas. Tu as la peau sur les os, et oui. Qu'est-ce que j'ai mis comme anneau, du coup? Ouais, l'anneau convoiteux du serpent argenté, ça sert un peu à rien. Je vois pas quoi mettre comme anneau, sinon. Ah, mon objectif, c'est tuer le boss, hein. J'ai pas d'objectif de fin. Hein. Juste que c'est un run à contrainte, avec cette contrainte, j'arrive pas à tuer le boss. Pas d'anneau qui me donne. C'est un anneau qui te donne des pourcentages d'HP en plus, Cinda.
Oh. Sérieux. Ouais, je savais que j'étais mort. Je savais que j'étais mort. Soit le troisième coup il passait et il le tuait, soit je mourais. C'était sûr et certain. Mais j'avais peur que si je fasse pas le troisième coup, il me fasse une attaque directe derrière et que j'arrive pas à l'esquiver. Tant pis.